William Arlotti pour le Fashion Post avec Guillaume Michel pour un label Iris Cantabri. Alors, j'ai envie de vous demander pourquoi avoir choisi ce nom qui pourrait nous laisser penser à une actrice, une égérie. Elle est réelle, elle est irréelle. Qui est cette femme ? Ce n'est pas une femme, c'était le bateau de mon grand-père, tout simplement, qui s'appelait Iris, qui est dans la Cantabrie. La Cantabrie, c'est tout le golfe de Gascogne, de Santander à Bilbao, en passant par Biarritz, etc. Et c'est là où j'ai passé la plupart des meilleurs moments de ma vie. Donc je trouve qu'on parle toujours mieux de ce qu'on a au fond du cœur. Voilà, tout simplement. Ah oui, comme tous les artistes et comme tous les poètes. Exactement. Donc c'est une projection d'une région vers une féminité. C'est un peu, oui, c'est un peu après, ça le point de départ des collections ? Non, le point de départ des collections. Après, ce qui m'intéressait dans ce nom avec le bateau, c'est que c'est le bateau qui a découvert notre monde. Ce sont les voiliers qui ont construit au final toute la société telle qu'elle est maintenant, mm-hmm, avec la mondialisation. C'est la naissance de la mondialisation. Et c'est une invitation au voyage, c'est une invitation à tout ça. Et après, voilà. Oui, bah le bateau ivre, le poète, le voyage, l'ailleurs, un nouveau continent. Vous me lancez, moi je pars. Alors comment ça se traduit justement au niveau de la ligne, au niveau des volumes et au niveau des matières? Au niveau de la ligne, on va dire que moi j'ai plus un profil modéliste que styliste. Je travaille énormément la toile, je dessine pas, on fait tout, on travaille tout à partir du corps. On a un modèle qui vient et on travaille avec elle, on fait les vêtements directement sur elle. Et on est dans une recherche de fluidité structurée. Mmh. Voilà, donc dans les vêtements, c'est un peu comme l'univers aquatique, il y a cette idée de fluidité, mais aussi cette idée architecturale où les volumes, un peu à l'instar de cette robe, restent en place. Et c'est pas parce que on va mettre la robe dans une valise que tous les volumes vont se perdre ensuite elle ressemble à un chiffon. Mais l'effet chiffonné, ça peut être un effet. Exactement. Il y a l'idée de la vague, il y a l'idée du vent, oui. Il y a l'idée des ondes. Alors, par des broderies, par de la corde. Alors, tout ce qui est au niveau matière, on est parti sur des choses, des matières techniques avec du néoprène, avec de la maille 3D coupée aux ultrasons. L'idée, c'est vraiment de mélanger la passementerie, ce savoir-faire séculaire, avec des technologies high-tech, à l'instar de la Nucleus, qui est une nouvelle machine qui travaille les tissus aux ultrasons. Mmh. Voilà. Les découpes, les coutures, les choses comme ça. Et c'est beaucoup utilisé, notamment aussi dans tout ce qui est... Dépigmentations. Par exemple, aussi. Voilà, hein, ce genre de choses. Ça donne un effet de patiner par le temps aussi. Il y a différentes applications. Exactement. À cette méthode. Oui, oui. Et alors, ça a été quoi votre parcours pour en arriver là aujourd'hui ? Alors, pour en arriver là, la société a été créée en 2012. La marque a été créée en 2012. On a fait beaucoup de sur-mesures et de demi-mesures. Et en me confrontant un petit peu, et même beaucoup, aux clientes, mm-hmm, je me suis rendu compte qu'elles avaient un pouvoir créatif et un regard extrêmement éduqué sur le look, leur propre vision de la mode. Donc avec cette collection, qui est une collection modulable, qui est une collection PAP, prête à personnaliser, mm-hmm, on a voulu mettre en place un outil qui permette aux clientes, un outil industriel, hein, à échelle industrielle, qui permet aux clientes de développer leur création et elles-mêmes de créer leur robe. Mais alors ça se traduit comment ? Par des applications ? Peut-être Marion peut vous montrer si vous voulez. Après, ça se traduit en mixant le haut d'une robe avec le bas d'une robe, en confrontant deux saisons, parce que c'est quelque chose que l'on reporte sur chaque saison. Donc on peut mélanger, je raconte n'importe quoi, mais on peut mélanger un haut en fourrure. C'est intéressant. Oui.
un exemple. Oui, bien sûr. Je prends un exemple. Oui. On peut mélanger, par exemple, un haut en fourrure avec un haut d'hiver avec le bas d'une robe d'été, et ce qui nous amène à une infinité de combinaisons de robes. Exactement. En fin de compte, vous travaillez plus l'idée d'un basique intemporel qui correspond à votre esprit, et ensuite la cliente pourrait l'assembler comme un puzzle selon son humeur. Exactement. L'humeur de la journée, l'humeur du moment. Exactement. Alors moi, j'avais une question par rapport à cette envie de capter justement le look des femmes que vous habillez. Aujourd'hui, comment une femme, elle s'habille? Comment est-ce qu'elle a envie de s'habiller? Ça se traduit comment? Par du confort, des looks passe-partout entre guillemets, où elle peut très bien les travailler avec, aller à des soirées avec. C'est des tenues un petit peu caméléon, j'ai envie de dire. Je traduis ça comme ça. Et l'idée, c'est aussi de créer cette robe un petit peu évolutive au fil de la journée, où elle peut très bien faire sa journée de boulot et ensuite aller sortir sans son amant ou son mari. Tout à fait. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on est loin du système des années 50. On avait une robe pour le petit déjeuner, une robe pour prendre le thé. Là aujourd'hui, on est obligé de suivre le rythme des femmes. Et j'ai le sentiment que vous avez saisi ce rythme. Non, je pense, j'ai surtout réfléchi sur la place du créateur. Quelle place il occupe maintenant par rapport aux consommatrices, par rapport aux sociétés. Et je crois, jusqu'à maintenant, les créateurs imposaient leur vision de la mode, imposaient leur style, imposaient leur manière de voir les choses, leur dictat aux consommatrices. Et je pense que maintenant, il y a eu une éducation, il y a eu quelque chose. Et notre job, c'est de mettre en place des outils qui, elles, leur permettent d'affirmer leur création, d'affirmer leur créativité, leur personnalité, et surtout de les suivre. Vous êtes comme un passeur d'émotions quelque part, c'est ça? Oui. Je mets mon savoir-faire. Alors, il y a un échange. C'est un service, voilà. On travaille beaucoup le modélisme, il y a une intelligence de la main dans notre travail, on travaille savoir-faire séculaire comme la passementerie, donc c'est un savoir-faire que je mets à porter à leur créativité. Bah écoutez, c'est une belle conclusion, le savoir-faire, l'artisanat, le bien fait, le beau et l'importance de la main qui façonne. Merci beaucoup pour cette rencontre et notre échange. Merci. C'est William Arlotti pour le Fashion Post.